Bonjour, je voudrais d'abord vous souhaiter une bonne année pour la nouvelle saison 2011-2012. Donc pour l'écariste, je serai votre professeur en géographie, en code de la route, en informatique. Pour les conducteurs-livreurs, nous aurons sécurité routière, logistique routière et informatique aussi. Donc afin de vous aider à travailler sur vos cours, j'ai trouvé un nouveau dispositif qui va peut-être vous permettre de travailler mieux vos cours et avoir une bonne réussite pendant cette période à la FMC. Voilà, eh bien, bonne année à tous et je vais vous présenter ce dispositif. Bien, alors vous avez déjà vu des magazines avec une petite publicité, par exemple là, pour HSBC et un QR code. Voilà, donc ce QR code vous renvoie sur un site internet. J'ai voulu utiliser ce procédé pour nos cours, donc la conduite dans des conditions atmosphériques difficiles. Voilà, on a notre cours. Et en fin de cours, voici un flashcode qui sera associé à une adresse internet aussi. Vous pourrez aussi le voir directement sur le web, mais ça nous le verrons dans un deuxième temps. Et donc ce code va vous permettre d'aller directement sur YouTube pour voir le film du cours. Nous allons faire une petite démonstration. Alors, pour faire la manip, il vous faut un smartphone avec une connexion internet. Pour le moment, on va voir déjà cette première possibilité. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Flashcode, que j'ouvre. Flashcode, voilà. Cette application Flashcode va nous permettre de reconnaître comment dire, le code du cours. Cette application nous envoie directement sur YouTube. Le cours a été précédemment téléchargé sur YouTube. Et voilà donc notre cours, fiche numéro 1, la conduite dans des conditions atmosphériques difficiles. L'objectif de la fiche numéro 1, conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, est de vous faire prendre conscience de la difficulté de la conduite d'un poids lourd lorsque le temps se dégrade. Les conditions atmosphériques difficiles sont la pluie, la neige et le verglas, le brouillard, le vent. Voilà, donc petite démonstration. Bien, alors les cours sont en préparation, mais voici déjà un certain nombre de QR codes qui vont pouvoir être insérés sur vos cours et que j'ai déjà travaillé pendant mes vacances. Eh bien, j'espère que ça va vous permettre de réviser et puis de travailler un petit peu à la maison. Voilà, bonne réussite à tous et au revoir.